révélation. Prie pour révélation. Présente-moi à Dieu. Tu vas étendre ta main et tu vas bénir Itouri et béni. Tu vas demander à Dieu de se manifester. Tu vas demander à Dieu. Tu vas prophétiser sur la fin de la guerre. Dis à Dieu, cette année, c'est fini. Est-ce que tu peux lever ta voix, déclarer que les femmes ne seront plus violées avec nous. Déclare que c'est fini. Nous ne sommes pas réunis pour insulter les Congos. Non pas pour maudire le Congo, mais pour bénir notre nation. Parle à Dieu. Déclare. Prie pour bénir. Les femmes comme toi sont violées tous les jours à bénir. Les filles comme tes filles sont massacrées tous les jours à bénir. Les fils comme tes fils sont tués tous les jours. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Déclare. Déclare. L'abattoir d'amour. Vraiment, quand il m'a causé un capote, pour la vie à moto, et ça va sauver, et ça va m'aider. Nazana mbongote, oya kosomba vie. Somme la calipa est à passer. Donc, y'a quoi dans la caca fouta pour la maçon mon angaï. Elle n'a que soin de wade. Ravez en un bon côté. Voya quoi son bavi. Bon, mon côté, y'a quoi salé la provision. Quand y'a un y'a quoi dans la caca fouta pour la maçon mon angaï. Elle n'a que soin de wade. Na somba kanta ba mubimba. Na somba kangome mubimbe. Kona kende kutumbango. Kona zwa bolimbi samia masumu nangaye. Oh, oh, oh. Kona masumu nangaye ndayo kufaki. Kona zwa bolimbi samia ndayo kufaki. Merci pour la bonne amour, salé l'ingani. Vraiment, nazana mbongote,
kosomba vi bongo kutu ya kofutela ka klasi ya bana basi bongo ya kobanda ka kofuta kona masumu na ngai nalinga kiozu wango wabie ye 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 wabie wabie nalinga kiozu wango wabie wabie. Par la grâce de Dieu, j'ai visité beaucoup de nations, mais la différence, ce n'est pas le peuple ou la population ne se confie pas à qui est le président pour que le pays avance, mais la nation se confie aux structures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais nous, au Congo, le problème, c'est quoi? Pour que le Congo avance, nous voyons l'être humain. Si X prend le pouvoir, c'est alors que le pays va avancer. Ben, j'aimerais dire à quelqu'un, X n'est qu'un être humain. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, j'aime dire, Dieu peut nous donner quelqu'un, mais si l'homme commence à se confier à cet homme, Dieu va retirer la personne, ou Dieu va changer cette personne. Simplement parce que ta foi, au lieu d'être basée sur Dieu, ta foi commence à être basée sur la personne. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Beaucoup sont orphelins aujourd'hui parce qu'ils se sont confiés à leurs parents. Ils ont défini leur vie, leur avenir en fonction de leurs parents. Et Dieu ne partage sa gloire à personne. On ne peut se confier qu'à Dieu. Et lorsque Dieu voit ça, Dieu retire la personne. S'il ne retire pas la personne, qu'est-ce que Dieu fait? Il change cette personne. Il livre cette personne. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, j'ai fait confiance en Dieu. On a ouvert la porte à la malédiction en République démocratique du Congo parce qu'on s'est confié aux hommes. Combien sont des personnes qui pleurent aujourd'hui? J'ai voté avec zèle et avec courage. Mais quand on te demande aujourd'hui, tu avais voté pour qui? Tu ne sais plus dire à qui, pour qui tu avais voté. Parce que tu as honte, tu t'es confié à lui et aujourd'hui tu te sens trahi et déçu. J'aimerais dire à quelqu'un, la seule personne qui peut tout changer, tout modifier, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous devons fermer cette porte. République démocratique du Congo, si vous nous suivez, fermez la porte de se confier aux hommes. Amen. Laissez à Dieu la place en République démocratique du Congo. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu placer au pouvoir qui il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Arrêtons de voter parce qu'on nous a donné à manger. Arrêtons de parce qu'on nous a donné les vêtements. Je vais dire à quelqu'un, le polo que tu avais mis pour les élections, aujourd'hui tu ne sais plus le mettre. Tu l'utilises comme torchon. Maintenant qu'il y aura élection, avant de voter, réfléchis. Amen. Aujourd'hui, moi parfois je comprends la diaspora. Quand la diaspora maudit le pays, parle en mal du pays, je n'encourage pas, je comprends. Parce que là où vous êtes, vous voyez comment les choses sont structurées. Et rien n'empêche que votre pays aussi vive ces choses. Mais c'est impossible que les hommes le fassent. Les gens ne voient que leur propre intérêt. Et ça fait mal. Ça nous pousse à prononcer de mauvaises paroles sur le pays et sur les autorités. Parce qu'on s'est dit, regarde, vive en France. Voilà comment est l'aéroport. Mais quand j'arrive chez moi, la première des choses, je perds d'abord mes bagages. La deuxième des choses, je découvre qu'on a déchiré ma valise. La troisième des choses, la DGM demande l'argent. Troisième, quatrième, la police, tracasserie. Pourquoi ne pas maudire le... Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si seulement on mettra Dieu au centre de notre pays, que Dieu lui-même dirige le Congo, que Dieu lui-même choisisse qui être président au Congo, les choses vont changer. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, l'erreur que nous commettons, nous ouvrons la porte au diable par nos langages. En maudissant le pays, la Bible nous parle de la puissance du langage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'habitude de prophétiser, de déclarer de belles paroles pour ta nation. J'avoue, beaucoup ont parlé du mal du Congo. Il y a des gens qui ont regardé face à une situation du Congo et au Manango le soutenaient vraiment.
Alléluia, aujourd'hui réponds-toi. Il est possible que tu prononces de belles paroles pour ta nation. Parce que la nation est sacrée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que le Congolais arrête de faire des vidéos pour critiquer le pays. Il est temps que le Congolais fasse des vidéos pour élever le pays, pour encourager ceux qui travaillent au pays. Alléluia. Amen. Nous devons commencer un combat. Mais le combat que nous devons commencer doit être dans la tête. Et ce combat doit être spirituel. Écoutez, le diable nous attaque par des armes. Le diable sait que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Le diable sait que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Le diable le sait. Et le diable te poussera au bout pour maudire ta nation, pour maudire même tes enfants. Laisse-moi te dire, quand tu maudis tes propres enfants, ce sont eux qui deviendront dirigeants demain. Qu'est-ce qu'ils feront? Parce qu'ils sont déjà sous la malédiction. Alléluia. Quand tu maudis tes travailleurs, ce sont eux qui deviendront des directeurs demain. En les maudissant aujourd'hui, cette malédiction reste. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Arrête de parler en mal de ta nation. Je sais, je suis conscient que les choses ne marchent pas comme il faut. Les églises aujourd'hui aussi contribuent à ça, à la chute de mon pays. Mais une seule chose je sais, étant prophète, je ne peux pas déclarer de mauvaises paroles pour ma nation. Même quand ça ne marche pas, je sais que nous sommes en train de traverser. C'est un désert que nous traversons. Un jour, le Congo relèvera sa tête. Je suis convaincu de cela. C'est pourquoi je ne maudis pas, mais je bénis. Je bénis ma nation. Demain, dans le jour qui arrive, le Congo sera comme au centre de toutes choses. Yes. Les Congolais verront le pétrole du Congo. Yes. Les Congolais verront le diamant du Congo. Il y a des Congolais ici qui n'ont jamais vu un diamant. À part ce qu'on leur donne, veux-tu m'épouser? Alléluia. Mais le temps est arrivé. Change ta façon de voir les choses. Alléluia. Et bénis ta nation. Prophétise ta nation. Déclare de belles paroles pour ta nation. Et aujourd'hui, l'image d'un Congolais, c'est celui qui trahit facilement. Ah, le Congolais, si on lui donne seulement 1000 dollars, il va trahir. Il y a des pays qui sont très moindres par rapport à nous, mais des pays paraissent plus forts que nous simplement parce qu'ils sont unis, parce qu'ils sont un. Mais nous, les Congolais, même quand je prêche là, il y a des hommes de Dieu qui nous regardent et qui disent à profonder. Alléluia. C'est ça. Et il y a des gens qui sont venus totalement à prophétiser. C'est ça, Congolais. Dis à ton voisin, ne maudis pas ta nation. Encourage les héros de ta nation. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est ça avec le Congolais. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin encore? Ne maudis pas le Congo. Aujourd'hui, toutes les belles images du Congo, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Il y a aussi au Congo des points bien. Il y a aussi des choses qui évoluent. Mais sur les réseaux sociaux, on présente une mauvaise image de notre nation. J'aimerais dire aux Burkinabés, j'aimerais dire aux Français, j'aimerais dire aux Russes, aux Pakistanais, aux Congo aussi, il y a de bonnes choses. J'aimerais leur dire au Congo, il y a les Safou, au Congo, il y a les Pondou, au Congo, il y a des richesses. J'aimerais leur dire autrement, au Congo, il y a des intellectuels. J'aimerais leur dire autrement, au Congo, il y a des avocats. Au Congo, il y a des médecins. Et au Congo, il y a le prophète Paul Fulgence Koussou. Yes. Les Français doivent le savoir. Qu'il n'y a pas seulement les ratés au Congo. Il n'y a pas seulement les ratés au Congo. Ce que le président d'aujourd'hui ne fait pas, ton fils, quand il deviendra président, il le fera. Alléluia. Je croyais que c'était une parole prophétique.
aujourd'hui ne font pas. Tes enfants n'ont pas étudié ici, enfin. Ils retourneront pour les accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Dieu vous a emmené ici pour voir. Alléluia. Voir. Copier. Amen. Et coller au tombeau. Ah, Dieu est ton mari. Tu n'as pas compris. Je disais, dans tes enfants, parmi tes enfants, les futurs dirigeants du pays sortiront là. Je le déclare encore, dans ta famille, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Déclare avec moi, dans mes entrailles, les dirigeants du pays sortiront. Vous êtes ici pour voir et reproduire dans la nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parle à quelqu'un. Amen. Nous ne sommes pas des esclaves en France. Nous ne sommes pas des... J'aimerais te dire autrement, tu n'es pas esclave ici. Ah, tu n'es pas esclave ici. Moïse et sa famille étaient esclaves. Mais lui, dans la maison de... Les Congo de Ghana. Les Congo de demain. Les Congo de demain sera construite par ton intelligence d'aujourd'hui, tes études d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, ne déchire pas ton diplôme. Ne déchire pas ton diplôme. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tout ce qu'on a vécu ici, tout ce qu'on a vu, tout ce que les yeux ont vu, seront reproduits en République démocratique du Congo. Les systèmes de transport que j'ai vu aujourd'hui. Système de transport, vous recherchez le chauffeur qui est le plus près. Je prophétise que ce projet, c'est toi qui ramèneras ça au Congo. Parle à quelqu'un. Les architectes qui ont étudié ici, je prophétise sur vous. L'architecture que vous avez en tête là, vous allez reconstruire le Congo. Si cette parole est pour toi ou pour tes enfants, tu acclames fortement pour le Seigneur. Je crois fermement, je crois fermement que le Congo de demain ne sera pas égal au Congo d'aujourd'hui. Si Dieu t'a ramené ici, c'est comme Dieu avait ramené Moïse en Égypte. C'est pour un but. Dis à ton voisin, je suis là pour un but. Je suis là pour un but. Dieu ne fait rien pour rien. Écoute, madame, tu sais combien de personnes les a refusé le visa? Tu sais combien de personnes en a refoulé? Mais toi, tu es encore là. Dieu te permet de voir, de copier, pour coller dans ta tête. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Alors dis à ton voisin, ne maudis pas ton pays. Quand tu les maudis aujourd'hui, quand tes enfants seront au pouvoir, ils vont faire quoi? Sur un pays déjà maudit. Alléluia. Sur un pays déjà maudit, tes enfants feront quoi? Je crois, je suis convaincu que le temps est arrivé. Le Seigneur va changer beaucoup de choses. Alléluia. Je sens que les dirigeants des Congo de demain sont ici. Kamal Vuluzi. C'est ma baba. Je sens que les dirigeants des Congo d'aujourd'hui sont ici. Je sens que les mamans de nos léopards de demain qui remporteront la Coupe du Monde sont ici. Non, je disais, je crois fermement, fermement, dans le nom de Jésus, que tes enfants ne seront pas des enfants ratés. Tes enfants ne toucheront pas la drogue. C'est une réserve que Dieu a mis de côté pour le commun de ta mère. Est-ce que je dis quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit à un papa, ton fils est une bombe en retardement que Dieu a mis à part. Dieu est en
de former, que Dieu est en train de préparer pour le Congo de demain. Le Congo de demain, on a besoin des enfants qui ne connaissent pas la corruption. Et ces enfants sont dans tes entrailles. Je prophétise, ces enfants sont dans tes entrailles. Le Congo de demain, on a besoin des enfants qui ne connaissent pas les diables du Congo là, qui ne connaissent pas la pornographie, et ces enfants sont dans tes entrailles. Mais comment de demain, on n'a pas besoin des enfants qui connaissent la montagne où aller chercher les fétiches, mais les enfants qui connaissent Dieu sont nés dans la présence de Dieu, qui vont grandir dans la présence de Dieu et qui vont servir Dieu. Si tes enfants feront partie de cette génération des enfants, tu déclares que mon fils fera partie d'eux. Non, tu ne le dis pas bien. Dis que mes enfants feront partie d'eux. C'est une façon de dire aux femmes qui ont des problèmes de conception que vous allez accoucher cette année. Et vos enfants achèveront la course. Vos enfants ne seront pas vos copies collées. Si toi tu travailles dans un shop, ton enfant ne travaillera pas dans un shop. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je... Je prophétise et je déclare. Si tu as 5 enfants. Yes. 6. Come on, vous losez. 7. Aucun de tes enfants ne sera une honte pour toi. Yes. Au-delà d'une honte pour toi, ne sera une honte pour la nationalité congolaise. Quand je l'ai dit, aucun de tes enfants ne sera une honte de la nationalité congolaise. Aucun. Sans que la salle déjà, Dieu commence à nous emmener là. Aucun de tes enfants. Tes fils et tes filles joueront un rôle très important pour cette nation. Tes filles et filles. Est-ce que tu peux commencer à prier, déclarer pour tes enfants? Est-ce que tu peux le faire? 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 Le Congo de demain ne sera pas égal au Congo d'aujourd'hui. Dans tes entrailles, il y a de futurs ministres. Dans tes entrailles, il y a des députés du Congo. Dans tes entrailles. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix en train de bénir le Congo? Bénis le Congo. Le Congo sera le plus grand pays et le plus puissant pays d'Afrique. La culture du Congo nous précédera. La honte ne sera plus attachée aux Congolais. Déclare cela. La honte ne sera plus l'identité du Congolais. Les Congolais ne seront plus reconnus par la tosse. Mais les Congolais seront reconnus par leur tête, par leur intelligence. Non, déclare, je vais entendre quelqu'un. Monte. 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 Déclare pour ta nation. Si tu es Brazzaville, tu déclares pour le Congo Brazzaville. Si tu es Ivoirien, tu déclares pour la Côte d'Ivoire. Déclare pour ta nation. Déclare pour ta nation. Non. Ta prière ne monte pas. Ta prière ne me convainc pas. Déclare les Congolais de demain. Je jouerai un rôle important. Continue à prier. Continue à prier. Déclare.
belles paroles. Ne mentis pas, mais bénis les Congos. Le Congo sera le pays le plus puissant de par leur économie, son économie. Déclare. Yes. Déclare pour le Congo. Déclare. Ne reste pas silencieux. Parle pour le Congo. Le Congo est la terre de tes ancêtres. Déclare pour le Congo. Déclare pour le Congo. Présente-moi à Dieu. Tu vas étendre ta main et tu vas bénir Ituri et béni. Tu vas demander à Dieu de se manifester. Tu vas demander à Dieu. Tu vas prophétiser sur la fin de la guerre. Dis à Dieu, cette année, c'est fini. Est-ce que tu peux lever ta voix, déclarer que les femmes ne seront plus violées avec nous. Déclare que c'est fini. Nous ne sommes pas réunis pour insulter les Congo. Non pas pour maudire les Congo, mais pour bénir notre nation. Parle à Dieu. Déclare, prie pour Béni. Les femmes comme toi sont violées tous les jours à Béni. Les filles comme tes filles sont massacrées tous les jours à Béni. Les fils comme tes fils sont tués tous les jours. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Déclare. Déclare.
continuez à prier. Continuez à bénir ta nation. Saint-Esprit, visite ton peuple. Le Seigneur me dit, dans cette salle, il y a des personnes qui elles-mêmes vont servir le Congo. Et dans cette salle, il y a des personnes qui portent dans leurs entrailles des enfants qui vont servir le Congo, qui vont diriger cette nation. Sous cette atmosphère, le Saint-Esprit va traverser. Et le Saint-Esprit va localiser et oindre. Ça se passe maintenant, le Saint-Esprit oint et localise Jésus. Ça sera très fort dans la salle. C'est l'esprit de Dieu qui fait son travail. Ça sera plus fort que ça. Toute personne qui porte la science de vous, dirigeants de notre pays, ou des personnes qui vont apporter une réforme spirituelle ou politique dans notre nation, que le Saint-Esprit te localise et te voit maintenant. Reçois maintenant cette grâce. Ça se passe dans la salle maintenant. Yes. Yes. Ah. Yes. Yes. Ça sera très fort dans la salle. Yes. Oh Dieu, localise tes enfants. Localise tes servantes qui vont apporter le réveil prophétique dans la nation. Localise tes serviteurs qui vont apporter le réveil, les directions de Dieu qui portent en eux les futures autorités de notre nation. Yes, merci de localiser Seigneur, merci de toucher, merci de le faire. Yes, yes, yes. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci. Merci. Tu lèves juste cette main, le Saint-Esprit va faire son travail. On est accompagné par le fond du clavier. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Reste concentré et adore l'esprit, tes mains levées. Yes.
baisse, que ton onction descende, que ton onction descende, que ton onction descende. Dans cette salle, ce soir, Seigneur, que ton onction, que ta présence se manifeste, que ton onction, que ta présence. Merci de localiser. Merci de localiser et de toucher. Dans mon esprit, je vois même des enfants qui vont travailler, Congolais qui vont travailler pour la politique de la France. Ramachata. Enere de Sata Ibaraga. Endaragadabashata. Yes. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Yes. Ça se passe maintenant. Yes. 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 Reste disposé et reçois cette grâce. Reste disposé. Reste disposé. Reste disposé. Reste disposé. Pendant que je fais le tour de la salle, toi tu restes disposé. Disposé pour recevoir. Reste disposé. Reste disposé. Dans le château. Reste disposé. Yes. 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 De ces garçons errés, je vois un petit garçon qui met des lunettes. Qui va servir qui va servir la nation, je vois un drapeau sur ses épaules. Double, je vois la photo de Eric, le sac.
prends le sac, prends l'enveloppe. Ça sera. Attends, écoute, viens ma soeur. Viens ma soeur, attends. Le père de foi est là. Sors l'enveloppe, maman, je vais oublier. Sors seulement l'enveloppe, pas de photo. Le père de foi est là. Là, ma chatte, c'est dans l'enveloppe. Attends, attends, mais sors. Bien, toi encore. Yes. Je vais prier pour Eric. Je suis en train de voir la photo de Eric et en lunettes. C'est écrit un truc, beaucoup de bisous. C'est la quatrième photo. Yes. Come on, come on. Follow aussi. Il y a une photo. Yes. Les deux filles et leur maman. Come on. Yes. Ça commence là. Là. Là, on commence à appeler les gars. Ah, l'œil de devant, le père de voyant. Oh my God! Et le Seigneur est en train de me dire, sur cette photo, il y a cette photo est double. Cette photo est double. Ça, c'est la version originelle. Yes. Mais la version ancienne, c'est toujours dans l'enveloppe. Le père de voyant, come on, toi. Baba, tu vois bien. Je vois une photo, c'est comme ces photos sont doubles et doublées. Oh my God. Yes. Le père de voyant. Je vois une photo. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. Je vois une photo d'une fille et un homme et maman. Yes. Ancien et nouveau. Je vois une deuxième photo. Le Seigneur veut faire quelque chose dans votre famille. Yes. Le père de voyant. Non, ça c'est la nouvelle version. Donne ça. Ça c'est la nouvelle version. Mais l'ancienne version est aussi là. Cette photo est en ancien. Avance, papa. Tu vois bien. L'œil de devant. L'ancienne version est là. Alléluia. Le Seigneur est en train de le dire. Mettez toutes les photos ensemble. Toutes les photos ensemble. Je vais prier. Mettez-vous à genoux, maman. Ce que nous va faire aujourd'hui, ce qui va se passer dans votre famille. Prends le drapeau. Le Seigneur est en train de me dire, maintenant même à l'école de Eric, on vous a appelé, on l'a accusé de ne plus être apte et intelligent. Yes. Et on voulait changer Eric d'option et de classe, de le mettre là où il y a des enfants moins intelligents. Il n'est plus apte à l'école, mais Dieu me dit, c'est le combat de la saison qui commence. Yes. Cet enfant, cet petit enfant, sur sa photo, il est écrit beaucoup de bisous. Ce que mes yeux voient. Un truc qui signifie beaucoup de bisous. Yes, exact. Oh my God. Le Seigneur est en train de me dire. Il est en train d'amener votre famille dans une autre vie. Il est en train de restaurer ta famille et donner à ta famille une position. Yes. Récemment, on est en train de garder les images. C'est ma baba. C'est quand ces choses vont s'accomplir. Yes. Seigneur, on va honorer ta famille. Les héritiers que vous voyez aujourd'hui. Yes. C'est un enfant surdoué. Yes. C'est un enfant très intelligent. Et cet enfant sera une grande bénédiction pour notre nation. Nous allons prier pour ses yeux. Parce que depuis un moment, elle a un problème des yeux. Yes. Come on, Voulouse. Au-delà de ce problème de yeux, il commence à devenir très distrait.
Jésus. C'est sur le pôle. Cette dame représente son petit-fils. Garde cet enfant et éloigne tout le plan de l'ennemi dans sa vie au nom de Jésus. Garde cet enfant. Et je prie pour la santé de maman. Je vois la maladie terrasser votre famille. La maladie renverser la famille. Mais au moment où je suis en train de parler, Dieu restaure votre famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez là, maman. Je vais m'en prier pour la République démocratique du Congo. Ceux qui ont le drapeau du Congo élevé, on va prier. Je viens d'entendre dans mes oreilles. Tout de suite, ça. Il y a quelque chose qui se prépare. À l'est de notre pays. Laissez-nous prier. Priez maintenant. Nous avons prié pour la paix dans le monde. Nous avons prié pour la paix en République démocratique du Congo. Je suis en train de voir en Afrique centrale. Non loin de la République démocratique du Congo. Dans le jour, dans le jour qui arrive, un coup d'état se fait. Est-ce que tu peux lever ta main et prier? Demande à Dieu d'imposer sa paix dans notre nation. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Que l'on prie pour Ukraine encore. Vous savez,
savez si on prie aujourd'hui ce qui va se passer. Les deux présidents iront sur une table de négociation. Parce que tu veux, c'est là où tu veux la guerre. Tu veux la guerre ou tu veux la négociation? Alors tu vas prendre une bonne position. Quand tu refuses la guerre pour le président russe et le président ukrainien, tu dis aussi la paix pour ma nation. Si tu es convaincu, que Dieu pense aussi à notre pays. Prends une bonne position, tu n'as que 2 minutes pour prier. Que tu veux prier avec nous pour le Congo, nous allons nous tenir main dans la main, nous allons prier pour l'Afrique et nous allons pour France où on s'y retrouve, la République démocratique du Congo. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Que les hommes de Dieu avancent, on va prier tous ensemble. Et je vais donner juste après le prof, enfin le docteur Lévy va déclarer sur le pays et je vais clôturer ces instants pour passer à autre chose. Tiens la main de celui qui est à côté. Alléluia. Sois rendu à Dieu. Nous sommes là pour prier pour les nations. Amen. La Bible
Parce que les cieux ont été créés pour Dieu et la terre a été donnée au Fils de l'homme. La responsabilité de ce qui se passe sur la terre est d'abord pour l'homme et en l'occurrence pour l'Église. Nous qui avons le pouvoir suprême, nous allons prier pour cette nation qui nous accueille. Amen. Nous allons prier pour la France. Afin que la volonté de Dieu s'établisse dans cette nation. Que tous les desseins du temps de l'ennemi soient nuls et sans effet. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élevons la voix, peuple de Dieu. Père, nous prions pour cette nation qui nous accueille dans cette heure. Cette nation qui nous a amenés de la même manière que tu avais emmené Daniel. Oui, Seigneur, tu as dit, priez pour la nation dans laquelle je vous ai amené en captivité, car la paix de cette nation dépend de vous. Alors nous élevons nos voix ce soir pour la nation de France où tu vous as amené, oh Dieu de gloire. Nous déclarons tous les esprits qui sont contraires à ta volonté dans cette nation soient révoqués maintenant. Nous révoquons tout l'ennemi. Nous révoquons tous les desseins des ténèbres. Tout ce qui a été conçu, préparé dans les laboratoires du temps de la sorcellerie, dans les laboratoires du diable, dans les laboratoires de l'or, dans les antichambres de l'occulte. Nous nous élevons ce soir par l'autorité du nom de Jésus. Et nous les annulons maintenant. Nous les remercions parce que tu as dit, ça que nous vivons sur la terre, et il y a dans les cieux, et nous voulons établir ton règne. Oui, il y a un moyen de ton Israël. Nous déclarons que ton règne vient, que ton règne se manifeste, que ta volonté soit faite, et que la lumière se déploie. Amen. Nous invitons le docteur qui viendra. Et pour l'unité des hommes de Dieu partout le monde, et prier pour la création et les relèvements de la République démocratique du Congo. De grâce ici. Une constellation de force. Nous sommes ici parce que nous croyons déjà dans ce ministère. Le prophète Paul. Alléluia, quelle chance. Et nous sommes ici parce que nous croyons en lui. Nous croyons tous en Dieu, mais nous croyons en lui aujourd'hui. Nous croyons en lui demain. Amen. Quelqu'un m'entend. Vous devez savoir soutenir ce que Dieu dit comme les gens que Dieu vous donne comme des dons. C'est un don de Dieu à la nation. Amen. C'est un don de Dieu à la nation. Nous voulons encourager, le faire beaucoup du bien. Amen. Prophète, je représente tout le pasteur congolais, qu'il soit né là ou pas, comme vous tout disiez que tous les Ivoiriens qui naît, il est le fils même du bien-père. Tout Congolais, servant de Dieu en France, il est le fils même de la pastorale. Je suis le président de la pastorale et avec le président ici, je te donne la France. Amen. Nous allons prier.